أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين اللهم آمين يا رب العالمين. توس يا توت، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Et bienvenue dans cette nouvelle partie avec le thème de la prière. Et la prière qui est importante aussi concernant la préparation pour Ramadan. La prière, c'est le socle de la journée, c'est le socle de la vie, c'est la base, subhanallah, parce que ça nous met vraiment en relation avec Allah. Ça nourrit notre lien avec Allah et ça nous permet, subhanallah, d'être élevés en degré. La prière, Allah Azza wa Jalla l'a rendue obligatoire. Et puis, dans cette prière obligatoire, dans un hadith qudusi qui nous est cité par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, Allah nous dit « Mon serviteur se rapproche de moi par quelque chose de meilleur comme les actes que j'ai rendus obligatoires. » Et lorsqu'il décide de se rapprocher avec ce qui est en plus, eh bien, je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, et sa vue par laquelle il voit, et sa main par laquelle il saisit. Et s'il me fait une demande, je réponds à sa demande, et s'il me demande la protection, je lui accorde ma protection. Donc ici, dans ce hadith qudusi, donc c'est un hadith sacré, très important, eh bien, Allah Azza wa Jal va mettre en avant les actes obligatoires. Et il nous dit que tout acte obligatoire nous permet de nous rapprocher d'Allah. Le serviteur se rapproche d'Allah à travers les actes obligatoires, à travers la salat, à travers le jeûne de Ramadan et tout ce qu'Allah a rendu obligatoire, et de s'éloigner de ce qui est interdit. Et lorsque il décide, le serviteur, d'augmenter, de passer à un autre level, c'est-à-dire d'accomplir les prières en plus des prières obligatoires, eh bien, Allah Azza wa Jal dit, je lui accorde mon amour. Donc, l'épreuve dans la vie, c'est une épreuve, c'est d'arriver à accomplir les prières obligatoires. Et puis, on peut passer très facilement aussi à l'accomplissement des prières en plus. Et là, c'est à nouveau l'amour d'Allah. Quand on a franchi, subhanallah, ces deux étapes, eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit à travers ce hadith qudusi, Allah azza wa jal nous accompagne dans la vie. Il nous accompagne dans ce qu'on entend, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on touche, dans ce qu'on prend, dans ce qu'on saisit, et même dans la sadaqa. Je lui facilite les choses. Je suis en sa compagnie. Il ne peut pas regarder ce qui est interdit. Il ne peut pas entendre ce qui est interdit et toucher ce qui est interdit. Allah Azza wa Jal, ici, il nous dit, eh bien, je l'accompagne dans la vie. À tel point que même ses doigts seront exaucés, ils seront mustajab. Et il ajoute, la protection, si elle est demandée, je le protégerai. Donc, la salat permet d'être exaucée dans les doigts. Les prières en plus permettent aussi d'avoir un plus grand amour d'Allah. Les doigts sont vraiment exaucés. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal offre pour toute personne, eh bien, qui se rapproche d'Allah à travers ce qui est obligatoire et ce qui est en plus. Donc, je ne perds pas mon temps dans ma vie. Dans la vie, je ne perds pas mon temps. Quand j'accomplis mes prières ordonnées par Allah et ce qui est en plus, eh bien, ça apporte un plus dans ma vie. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va nous parler aussi du jour du jugement. Et il va nous parler d'une faveur qu'Allah azza wa jal accorde à ses serviteurs. Il va nous parler d'une rahma à laquelle on ne s'y attend pas.
Il nous dit la première chose sur laquelle les gens seront jugés le jour du jugement, eh bien ce sera la prière, et c'est-à-dire la prière obligatoire. Et notre Seigneur, Azza wa Jal, ajoute Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dira à ses anges, alors qu'il est le plus savant, vérifiez dans la prière de mon serviteur, est-ce qu'elle est complète? Ou est-ce qu'il manque des choses? Si elle est complète, eh bien, elle lui sera écrite comme étant complète. Et si elle connaît des manquements, eh bien, regardez si mon serviteur a eu des prières en plus. Et Allah dira, complétez-lui ses prières obligatoires avec les prières qu'il a fait en plus. Et ses œuvres seront considérées ainsi. Donc Allah Azza wa Jal nous offre toujours, pour ceux qui sont sincères, qui font du mieux qu'ils peuvent dans la vie, concernant les actes d'adoration, eh bien Allah accorde une faveur, laquelle? C'est de pouvoir se rattraper avec Allah. Même si dans ma vie, je n'ai pas fait la salat durant toute ma vie, depuis la puberté jusqu'à la mort, le fait que je m'engage dans la prière et que j'ajoute les prières en plus, le cadeau d'Allah est réservé à tous ceux qui ont agi en plus pour compléter les manquements des prières obligatoires. Et Allah est parfaitement au courant qu'on a tous manqué à nos prières. Donc ici, il faut saisir la chance, il faut saisir cette opportunité qu'Allah nous donne de se rapprocher d'Allah. Donc il y a les actes obligatoires, il y a les prières en plus, tout est fait pour que ça nous donne envie de nous rapprocher d'Allah. C'est vraiment le lien avec Allah. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit « Mon bonheur, il est dans la salat », il est dans la salat. Quand il dit « La prière, c'est une lumière », « As-salatu nur », « As-salatu nur ». Et en plus de ces deux hadiths qu'on vient de voir concernant donc l'amour d'Allah, les doigts exaucés et la protection d'Allah, il y a aussi, subhanallah, un autre cadeau qui nous est promis par Allah. Le compagnon Ma'dan, Ibn Abi Talha radiallahu anha, a dit « J'ai rencontré Thawban, donc un autre compagnon, mais qui était le servant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et je lui ai dit « Peux-tu me dire quel acte je pourrais faire et par lequel, eh bien, il me fera entrer au paradis ?» Alors, Thawban, radiallahu anhu, se tait. Il garde le silence. Et le compagnon Ma'dan lui repose la question. Et Thawban garde le silence. Et Ma'dan repose une deuxième fois la question. Et là aussi, il se retient de lui répondre. Et il va reposer une troisième fois la question. Et là, le compagnon Thawban radiallahu anhu répond « J'ai posé la même question à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il m'a dit « Je te conseille de multiplier les soujouds pour Allah et chaque prosternation que tu feras pour Allah, elle t'élèvera en degré et elle t'effacera les péchés. » Et il ajoute « Lorsque j'ai croisé l'autre compagnon Abu Darda radiallahu anhu, je lui ai demandé et il m'a donné la même réponse que Thawban. » Donc ici, Allah Azza wa Jal nous permet à travers la salat, eh bien, d'être élevés en degré et que nos péchés soient effacés. La prière est une lumière, c'est mon bonheur. J'y trouve mon bonheur auprès d'Allah. Et puis, on se rapproche d'Allah, les doigts sont exaucés. Et Allah complète les prières obligatoires où il y a des manquements avec les prières en plus. Et là, subhanallah, deux compagnons ont confirmé le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, être élevé en degré et les péchés effacés.
Rasoulallah sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, celui qui prie 12 unités de prière durant la journée et la nuit, eh bien, en dehors bien sûr des prières obligatoires, Allah lui construira une maison au paradis. Subhanallah, uniquement 12 unités. On ne nous demande pas de faire la prière toute la nuit. On ne nous demande pas de prier toute la journée. Mais tout simplement d'avoir ces 12 unités dans la balance, tous les jours, si c'est possible, de garder la constance. Mais une maison au paradis. Comment ne pas ressentir cette rahma à travers ce hadith? Allah Azza wa Jal nous facilite le paradis. Ça passe par 12 unités dans la journée. Et c'est pas fini. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait des efforts et patiente pour accomplir 12 unités de la sunna, alors Allah lui construira une maison au paradis. Donc, 4 unités, c'est le prophète alayhi sallam qui le dit, 4 unités avant le dhuhr, 2 unités après, 2 unités après le maghrib et 2 unités après salat al-isha et 2 unités avant le fajr. Donc, ça fait au total 12 unités. Encore une fois, dans un hadith, eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous confirme la maison au paradis pour 12 unités et c'est pas fini. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, celui qui prie 4 unités avant le dhuhr et 4 unités après, donc 4 et 4, 4 avant et 4 après, Allah interdira à sa chair d'être brûlée par le feu de l'enfer. On est interdit au feu. Le feu a eu l'ordre d'Allah de ne pas brûler le corps qui a accompli la salat, 4 unités avant le dhuhr et 4 unités après. Subhanallah. Si, par exemple, 12 unités, c'est trop dur pour le début, mais au moins de préserver les 4 unités avant et les 4 unités après le dhuhr. Ce sont des efforts. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait les efforts est patient. C'est-à-dire, il le fait avec plaisir. Ça demande d'être patient. Ça demande d'être assidu. Ça demande d'être volontaire. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la première chose qui sera retirée à cette communauté sera le khushu' jusqu'à ne plus y voir de personne avec l'humilité. C'est ce qu'Allah va enlever vers la fin des temps. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous garde le khushu'. Donc vous voyez, subhanallah, le khushu' c'est quoi? C'est d'adorer Allah avec humilité, avec crainte, de se sentir tout petit. C'est ça le khushu'. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, lorsque le serviteur se lève pour accomplir la salat, on lui apporte alors ses péchés, qu'on pose sur sa tête et aussi entre les épaules et le cou. Et à chaque fois qu'il s'incline, donc le ruku', et à chaque fois qu'il se prosterne, ses péchés tombent. Allahu Akbar. La maison au paradis, l'interdiction d'entrer dans le feu de l'enfer, et là, dans la salat, les péchés tombent. La salat, eh bien, elle est précédée par les ablutions, et chaque goutte, il y a des péchés qui tombent. Subhanallah. Si on préserve les prières, l'umra à l'umra, le vendredi au vendredi, si on préserve aussi le ramadan jusqu'au ramadan, tous nos péchés sont effacés si on n'a pas fait les grands péchés. En fait, toute notre vie, quand on est soumis à Allah, c'est une chance d'être élevé en degré, qu'Allah nous efface nos péchés, et puis, subhanallah, qu'on se rapproche d'Allah. Voilà les faveurs qu'Allah accorde à celui qui est soumis, à celui qui a envie d'avoir la crainte et gagner l'amour d'Allah. Rabi'a ibn Ka'b, radiallahu anh, va raconter, « Je dormais chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et je lui apportais l'eau pour ses ablutions et aussi pour d'autres besoins. Et il m'a dit, « Demande une chose. » Et il dit, j'ai demandé à être en ta compagnie. Il dit, je demande à être en ta compagnie, ya Rasulallah, au paradis.
Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui répond en disant, uniquement ça? Tu veux que ça? Il lui dit, oui, c'est tout ce que je veux. Alors il lui donne le conseil, multiplie les prières pour parvenir à ce degré. Subhanallah. Il lui dit, plus tu vas prier, eh bien, plus tu vas tout doucement atteindre ce niveau, le niveau, le rang des prophètes et des messagers. Par des efforts, la salat, les prières obligatoires à l'heure, on fait les efforts pour la concentration. Ça efface les péchés, ça élève en degré, ça nous rapproche d'Allah. Les doigts sont exaucés, la protection d'Allah, l'immunité d'Allah. Donc Allah nous donne des cadeaux, il nous donne envie de l'adorer. Il nous donne cette occasion de construire même une maison au paradis. Souvent, les gens veulent construire sur terre et c'est légitime, hein, ils peuvent construire s'ils en ont les moyens. Mais parfois, on oublie, subhanallah, de construire notre maison au paradis. On oublie que la prière, elle nous élève en degré. Être élevé en degré, c'est de se rapprocher encore plus, de gagner en level, subhanallah. Plus nos péchés sont effacés, plus on se rapproche d'Allah, de sa majesté. Donc la prière, c'est vrai. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, mon bonheur a été placé dans la prière. Et que la prière est une lumière. Qu'Allah nous accorde d'être sincère avec Allah à chaque instant, à chaque moment. D'avoir cette envie de l'adorer. Et même quand, eh bien, on faiblit, on garde une constance, on demande à Allah de nous aider, mais on se dit toujours, il y a le paradis, il y a la protection contre le feu de l'enfer, et puis on est élevé en degré, et c'est le plus beau, subhanallah, d'œuvrer dans la salat, et puis d'être concentré comme ça dans la salat. Le plus haut degré du paradis, c'est le firdaus. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal nous dit dans Sourate al-Mu'minun, Qad aflaha al-mu'minun. On réussit ceux qui avaient la foi, qui ont gardé la foi, et ensuite ceux qui étaient concentrés dans leur prière. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ils ont ressenti la présence d'Allah. Ils ont ressenti la présence d'Allah dans chaque rukou', dans chaque sujoud. Ils ont ressenti la présence d'Allah. Ils se sont donné les moyens, Allah leur a facilité les choses et Allah nous dit Yuridullahu bikum l'usr wa la yuridu bikum l'usr. Allah vous veut la facilité et non la difficulté. Donc, subhanallah, quatre unités, c'est rien du tout avant le dhuhr. Quatre unités, c'est rien du tout après le dhuhr. 12 unités, c'est rien. Ce sont des efforts, certes, mais si on gagne le paradis, si on est proche de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah nous permette d'être le plus sincère possible et qu'on puisse être tous ensemble réunis auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au paradis dans le Firdaus al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin wa barakallahu fikum.